Ce travelot-là, Ngombongo indique qu'il y a deux Didi Yamba. Tu veux parler aux nobles femmes? Hein? Donc tu vois qu'en faisant tout ça, tu vas réussir à mettre le dos de la femme de Pa de Fao. Pa te, tu mens. Elle est tout ce qu'elle est. Elle a ces deux gars-là en ce moment avec qui elle tout ment. Elle montait de ça avec eux. On la discute même l'autre jour. Dernièrement, on l'a discuté là-bas au restaurant. Bientôt, il va organiser, vous allez vous retrouver tous là-bas au restaurant là. Au restaurant du Congo, ça. Là, on fait les sous-facturations aux gens. Bientôt, là, il va organiser, vous allez entendre qu'ils se sont retrouvés là-bas. Il va commencer maintenant à faire que, allô, retrouvez-nous là, nous serons à Paris ce week-end, retrouvez-nous. C'est comme ça qu'il fonctionne. Quand il a fini, il a me donné le sale travail, il a lavé les gens. Il a bien lavé les gens. Il me donne rendez-vous là-bas là. Il y a un moment, je refusais de partir. Combien de fois j'ai refusé de partir à les rendez-vous? Vous venez me parler que j'ai mangé avec eux sur la même assiette. Vous-même, vous n'avez pas mangé avec les gens, vous n'avez pas fait les promesses avec vos parents. Donc, quand on a mangé la même assiette, c'est ce qui permet qu'on vienne te manquer de respect. Écoutez-moi bien. Je mange avec toi la même assiette. Tu me manques de respect une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois, je sors. C'est comme ça que moi je fonctionne. Et personne ne me tient. On ne me tient en rien. Et si je veux faire la paix avec n'importe qui là sur la toile, je fais. Personne ne paye mon loyer. Personne ne paye le goûter de mon enfant. Personne ne met l'essence dans ma voiture. Il n'y a que ma boss que je peux appeler qui dit que fais-moi une avance de salaire. Ou j'ai mes personnes à moi. Que j'appelle, je dis que voilà, ce mois-ci là, c'est chaud. Vous là, je vous ai un jour appelé pour vous demander à manger. Vous qui venez dire que je vais faire ça un jour à tel, je vais faire ça un jour à tel. Je suis libre de faire la paix avec qui je veux, quand j'en ai envie. Ce monsieur-là n'est pas parti envoyer le bouquet de fleurs ici à une femme qui m'a dit, qui m'a souhaité la mort, que je dois mourir. Il n'était pas mon frère en ce moment-là. Il a oublié que cette personne m'a vilipendé, m'a lavé, rincé, étalé, séché. Jusqu'à me souhaiter la mort. Mais vous oubliez vite. Hein. Vous avez les têtes de moyens ou quoi? Vous oubliez vite. Hein. Donc vous, vous avez le droit de faire. Quand c'est pour les autres, vous commencez à vouloir faire jage. Je fais la paix avec qui je veux, quand je veux. Si je veux faire la paix avec n'importe qui là sur la toile, que j'en ai envie, je fais. Mais j'ai ce qu'on appelle de la personnalité. Je ne suis pas un faux cul comme vous. Le président Raymond Tchenga m'a dit de ne plus me mélanger. T'as dit, voilà ce qu'on appelle un homme qui est pour la paix. Il n'a jamais aimé ce que je fais sur les réseaux sociaux. Il m'a toujours calmé. Il m'a toujours dit que Perpétue, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. La vie est courte, voilà ces mots. La vie est courte. Les gens meurent trop maintenant. Il faut arrêter, il faut arrêter. Même dernièrement, quand j'étais au pays là. Il ne m'a pas dit de partir, de devenir ami avec quelqu'un. Il ne m'a pas dit qu'il va devenir ami avec quelqu'un. Je vous ai dit que j'ai cherché les alliés. Donc, ma TKC, si vous négligez ma TKC, vous croyez que ma TKC, nous sommes légers? Vous croyez que nous sommes légers? Donc, vous prenez ma TKC comme des incompétents, quoi. Ça, c'est m'insulter. Ma TKC, même si on n'est que 10, on est fort. Ça, je tiens à vous rappeler ça aujourd'hui. Les TKC. Même si on est 10, nous sommes forts. On s'entraide sur la toile. On s'entraide. Parce que j'ai mes TKC qui partent encourager certaines personnes sur la toile par rapport à moi. Et ils me disent que, maman Pépé, j'ai fait ça par rapport à toi. Vice versa. Arrêtez le chantage là. Arrêtez-moi ça. On ne me conditionne pas. Et on ne conditionne aucune TKC. Une vraie TKC, on ne la conditionne pas. Quand une TKC a dit que c'est bleu, c'est bleu. Hé! Hey. C'est le quoi ça? Ok. Venez me parler les choses bêtes, bêtes. Ce monsieur n'était pas chez moi.
Mehmet. Zaba. Regarde-moi du Cambindo aussi qui va parler. Quand les gars, lui, il est comme, il est un garçon, il est quoi? Il est comme celui-là. Avec ses dents pourries. Quelle est la femme qui peut me l'embrasser, celui-là? Sauf si la femme est déjà sous-bourrée quand elle se réveille le matin. Elle pleure. Elle pleure son sort. Que Seigneur. C'est l'alcool de quoi? Sa femme, la femme arrête de boire même l'alcool. Au moins un sale truc comme ça là. Les hommes vont parler, lui aussi va venir s'asseoir parler. Du Cambindo. Tu crois que tu peux parler de moi? Tu crois que tu peux me dénigrer? Tu crois que tu es bien placé pour me dénigrer, toi? Hein? Tu crois que tu es bien placé pour me dénigrer? Tu me dénigres, je dénigre la dépouille de ta mère. Propre! Tu as compris? Parce que je l'ai vu. J'ai vu ta mère. Je suis arrivé dans ton village. J'ai vu ta mère. Elle avait faim ce jour-là. Elle avait faim alors que tu étais en France. Tu as entendu que les gens qui sont en train de construire au Cameroun sont venus faire. Mon fils Christian de Monaco est en train de construire des immeubles au Cameroun. Tu as entendu qu'il a fait un litchi? Tu as entendu qu'il a fait un litchi que pardon, achetez-moi un sac de ciment? Tu viens avec ta grosse tête, ta courte taille, tes dents pourries. Tu viens faire les litchis ici, là, tu t'es les gens des mendiants. Un mendiant, c'est un mendiant qui a le droit de le faire. Si tu n'es pas un mendiant, tu ne fais pas un litchi qu'on t'aide pour construire la maison ou pour faire quelque chose, pour un projet. Ça, c'est le rôle des mendiants. C'est les mendiants qui demandent de l'aide. Mais jusqu'à preuve de contraire, vous traitez les gens de mendiants, mais c'est vous qui faites la mendicité, même plus que tout le monde. Vous voulez acheter un parpaing, vous venez mettre le litchi. Et tu vas te permettre de venir parler de Maléba perpétuel. Regarde-moi un troubadour. Je voulais dire quelque chose, mais moi, je suis un enfant, je suis une fille de pauvre. Je voulais dire que fils de pauvre, comme il ressemble à son arrière-grand-père. Je te dis que je vais venir t'arrêter. On va partir faire les tests. Toi. Ça, je te promets ça. Moi un zébé. Tu peux te chamer avec les hommes, non? Il faut prêter à du Cambindo, il faut lui prêter un cabangondo là-bas ou un string. Il faut lui donner un caban. Comme ça, il vient se chamer avec les femmes. Il parle que les gens qui clashent sur la toile, les gens qui insultent. Toi-même, tu fais quoi? Tu viens m'insulter que j'ai quel problème avec toi? J'ai quel problème avec toi? Tu viens t'asseoir, tu m'insultes. Toutes les femmes que tu insultes sur la toile là, jusqu'à tu dénigres ces femmes là, tu insultes jusqu'à leur partie intime. Tu oublies que tu as une mère qui est décédée, qu'elle avait aussi des parties intimes. Tu oublies que tu as des sœurs qui ont des parties intimes que tu viens insulter pour d'autres femmes. Tu m'insultes encore. J'insulte toute ta famille. Insulte-moi encore. Laisse les femmes là m'insulter, mais toi du Cambindo, tu m'insultes, j'insulte la dépouille de ta mère propre et ça ne va pas chauffer parce que j'ai vu ta mère. Je peux parler sur elle. Tu as compris? Et toi, ça ne va rien te faire même qu'on insulte même ta mère. Parce que tu n'as jamais donné l'amour à ta mère. Ta mère meurt, elle ne savait même pas qu'elle avait un fils en France. C'est d'autres personnes qui s'occupaient de ta mère. Tu as dit merci à ces personnes-là. Tu n'as pas aussi clashé les mêmes personnes là ici. Hein? La dame avec qui je suis partie au Cameroun là, dans ton village. Tu l'as pas clashé ici. Hein? Alors qu'elle est partie donner à manger à ta mère. Espèce de mendiant de ton état. C'est toi le vrai mendiant. Tu as dit merci à cette dame-là qui est venue dans ton village. Fais connaître Maningolé. Tu as dit aux gens que j'ai vu ta mère quand je suis parti à Maningolé? Hein? Est-ce que tu as dit aux gens que j'ai donné le riz à ta mère? Hein? La dame, la grande dame qui m'a amené à Maningolé. Tu lui as pas manqué de respect ici? Alors qu'elle a payé les médicaments à ta mère? Que toi tu étais incapable de payer les médicaments à ta mère? Tu as amené ta mère à l'hôpital quand elle était malade. Donc les gens vont parler, toi, du Cambindo. Tu vas t'asseoir aussi, tu viens parler. Tu n'es pas différent de Ngombongo Idi. Les salités comme vous là.
Gombongo il dit là-bas, elle, sa mère est décédée, même n'était même pas là-bas. Sa mère est décédée, même étant fâchée d'elle. Sa mère l'avait régnée déjà depuis. Une fille qu'on pas dotée le jour de son mariage, le gars meurt en route. Ça vous dit rien. Le gars Bamoun en partant doté, il meurt. Sur la moto. Elle a le doute là en elle. C'est pour ça qu'elle a pris l'enfant aujourd'hui ici, qu'elle a dit qu'elle a même des HPA. Vous venez parler à qui? Vous parlez à qui là, maman? À qui est-ce que vous parlez là? Punaise. Si quelqu'un va appeler laver, laver, il appelle laver. Je suis fatigué. Il y a une femme là qui gratte derrière les yeux, il pense qu'elle va y dormir. Tu veux faire dodo déjà? Oui. Tu veux déjà aller dodo? Oui. Oui, tes yeux là, ça pique derrière. Si mis dans son moment, fausse personne comme ça là, ce qu'on vient me dire que tu as menti, tu as été avec lui. Il était la première personne à faire le ndok chez moi. Vous aimez ça? Il était la première personne à venir faire le ndok ici à Rouen, là-bas, chez moi là. Là où j'avais la terrasse, vous vous rappelez non? À l'anniversaire, à mon anniversaire, il était là. On fichait le camp. On a grave des. Moi, un vieux père comme ça, là, qu'on vient dire. Un vieux père. On vient calmer la situation. Il vient s'asseoir avec sa grosse tête pleine de chaud. Qu'il a mis le cirage sur ça. Il envoie les gens venir insulter les nobles femmes. Hein? Puis après, vous effacez. Vous effacez, nous, on avait rien enregistré. Ça veut dire que vous êtes des lâches. Vous faites des choses et puis vous reculez. Non. Atomisez et vous laissez sur vos murs. J'ai dit que la pomme de Pandjansan, c'est la plus grosse structure de la terre. On l'a discuté ici, là. Devant moi. Pas qu'on a dit que devant moi. Ils ont leur groupe là de Tchikunchu là. Entre elles. Et son mari sait ça. Son mari sait qu'on la doite. Je vais vous amener la preuve. Attendez. Vous me connaissez, non? Moi-même, comme j'ai donné aussi le coup d'envoi là, toute personne qui a une information, qui connaît le chez-eux, allez me filmer ça aussi, vous m'amenez ça. Filmez-moi ça, vous me ramenez ça. Ça va se passer comme ça. Vous voulez vous comporter comme les animaux, on va se comporter comme les animaux, c'est tout. Venez traiter les gens de vendeuses de piments alors que vous êtes les premiers vendeuses de piments. Tu ne m'as pas proposé de venir vendre de piments en Allemagne. Que c'est légalisé là-bas, tu m'as dit que c'était légalisé là-bas. Tu voulais m'amener où? Tu ne connais pas les histoires là, tu m'amenais où alors? Tu voulais m'amener où? C'était le remerciement, non? Comme je bagarrais pour vous, tu voulais m'amener vendre le piment. Hein? Monsieur qui crée les groupes. Et là-bas, il n'a pas donné des ordres. Voilà un monsieur, voilà sa vie. Hein. Voilà la vie du monsieur là. Créer des groupes pour dire comment est-ce qu'on doit, ils doivent partir, clasher, insulter. Voilà ça. Voilà la vie d'un soi-disant homme. Passe son temps rien qu'à se chamailler avec les femmes. On ne peut pas se chamailler avec un mec. Les hommes sont là, ils font les débats, les discours de politique. Ils discutent le football. Lui, il est là pour discuter les histoires des jambes en l'air. Ce père-là. Une femme qui vous a mis en haut. Une femme
Comme vous avez dit que moi aussi bientôt je ferai comme ça, n'est-ce pas? Voilà ça. Elle les a invités chez elle. Ils ont mangé, ils ont bu. Elle les a même farotés. Ils ont ses lunettes, ils ont ses chaussures. Il vient s'asseoir aujourd'hui, l'insulte. C'est pareil. C'est ce que moi aussi je suis en train de faire là. Hein? C'est ça que moi aussi je suis en train de faire. C'est ce qu'ils ont fait, non? Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Devant moi, ils ont fait une surfacturation là, mais on l'a encerclé dans un restaurant là-bas à Paris. On n'a même pas bu deux bouteilles de champagne. On lui sort une facture de plus de 700 euros. Séance tenante, j'étais là. Pas qu'on m'a dit que. Je ne sais pas ce qu'on a mangé. Deux poissons braisés, un plat de dolet. Un champagne, un 18 ans. 700 et poussière d'euros. Ce n'est pas les mendiants que c'est quoi. Ce n'est pas les mendiants que c'est quoi. Ils ne sont pas les mendiants, ils sont alors ce qu'ils sont. Pourquoi ils prennent les points d'hôtel des gens? Elle ne va plus donner alors ses points d'hôtel. Vous allez payer vos hôtels maintenant vous-même. En plein pot. Vous appelez partout pour savoir s'il y a les points. Donc vous avez besoin d'elle. Aujourd'hui, vous venez vous la mettre à la verdure populaire. Vous payez maintenant les gens jusqu'à... Après, vous venez faire les postes. Vous êtes content que la vérité, quand la vérité... Quelle vérité il y a dedans? On connaît comment les clashs se passent sur la toile. Les choses que vous avez parlé, il y a des choses que... Et chaque jour que vous allez vous rappeler quelque chose, vous allez partir appeler là-bas pour partir dire que... il faut encore dire que... Il faut encore dire que... Frampone, comme on a entendu tes voix, tu as entendu dire qu'on doit mettre les doigts. Que les fesses... On les, écoutez les injures d'un homme. Hein. Que les doigts, on les injure. Les doigts de Ngombongo Indi, on la patte. Voilà les injures d'un homme qui dit qu'il a un mec qui a les couilles. Qui vient dire que un homme qui vient dire que on met les doigts à une femme, la patte. Ngol, la honte. Est-ce qu'on vient me dire? La tête casse, moi j'ai envie de vous dire quelque chose. Hein. Je sais que vous n'êtes pas très habitué à faire trop de directs. C'est pour ça que je suis obligé moi-même souvent de me mettre devant. Je connais vos compétences, mais n'hésitez pas. Parce qu'on m'a rapporté, j'ai été rapporté que j'ai subi beaucoup d'injures dehors là. Donc mettez-vous déjà en position d'attaque. Vous ne lâchez personne, allô? Hein? Ah non. Voilà. C'est comme ça. Donc, la tête cassée, moi je veux vous dire, vous savez que je vous ai déclaré l'autre jour que nous sommes en guerre. D'accord? Alors, si ma patronne se fait attaquer, ça veut dire que je me suis fait attaquer. Si je me fais attaquer par qui que ce soit, ripostez immédiatement. Écoutez-moi très bien. Ripostez, je vous donne l'ordre. Je parle à haute voix. Écoutez-moi très bien. Je me fais attaquer. Vous répondez directement à la personne qui m'attaque. Sachez que maintenant là, peu importe qui me provoque, versez-vous dehors. Je dis bien, versez-vous dehors. Parce qu'apparemment vous négligez, on dit que vous êtes dissous. Montrez-leur que vous êtes là. Et je vous assume. J'ai dit ça. Moi, je ne suis pas là dans les pépettes. Moindre personne que vous sentez comme un manque de respect, vous n'êtes pas conditionné. Maintenant, je peux donner cet ordre-là. Libre à tout un chacun de dire oui. Je pars en guerre ou je ne pars pas en guerre. Parce que là, il n'y a pas un enfant de 15 ans là-dedans.
Nous tous, nous sommes des personnes adultes. Chacun gère son blog. Ce n'est pas moi qui vous mets le crédit dans vos téléphones. Voilà ma fille, la girafe d'Afrique. Elle est avec moi ici. Elle bagarre même dans la rue, déjà. Elle-même dans la rue même. Elle a des échanges avec des gens parce qu'on lui dit que, oh, quand tu es chez ta mère, là, tu nous manques de respect. Et elle a déjà, elle a affronté avec des gens même en live, vrai, vrai, dans la vie réelle comme ça, là. Elle a déjà affronté. Elle a sa petite vie tranquille, mais ne veut pas dire que on va venir m'allumer, elle va laisser. On ne peut pas m'allumer, elle va laisser. Demain, je suis à Paris. Je suis à Paris demain. Donc, la TKC, vous avez entendu du Cambindo, dit que j'encourage les enfants des gens pour aller clasher. L'enfant que j'ai accouché par césarienne, si. C'est quoi le téléphone? C'est décharge ou quoi? Ma fille, attention, ta caméra s'est tournée. Si tu es en train de dormir avec ton chéri là, on va voir comment est le blond. On va voir le blond là. Non, je suis déjà guéri. Je vois tout ce qui se passe et je crois que nous tous on va finir par entrer dans cette boue. Parce que à un moment donné, maman Pépé, tu nous calmais beaucoup parce que les vrais TKC ne parlent pas. Et c'est des gens très violents. C'est des gens vraiment, quand on décide de faire du mal, on fait vraiment du mal. Moi. Voilà. Les chiens ne font pas les chats. J'ai été TKC, je suis TKC, je serai TKC. J'avais 4 faux profils. J'ai dit que non, j'agis avec mon vrai profil. Je crois que nous tous, on va recommencer à faire du sale. Parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup de manipulation. Mm. C'est-à-dire, même les gens que je vois, je ne vais pas citer les noms, je vois qu'il y a trop de manipulation. Ouais. Maman Pépa fait la paix avec Patricia Mel. Ce ne sont pas des amis. Tu as le droit de faire la paix avec qui? Donc, dans cette toile-là, dans Facebook-là, tout le monde que tu offenses, qu'il soit du camp adverse, qu'il soit de n'importe quand, tu vas demander pardon et on va avancer comme ça. On va aller comme ça. Parce que tu as affronté les gens pour papa de Fao. Mmh. Il faut qu'ils reconnaissent ça. Tu as affronté les gens. Nous tous, on tirait sur tout le monde quand on attendait. Parce que où tu pars, nous on part. Quand tu dis va, on part. Mm-hmm. C'est comme ça. Quand maintenant on envoie des gens, parce que quand ça commence là, personne ne voit. Hein. Quand ça commence, comment on tire sur toi à balle réelle là, non, personne ne voit. On vient m'appeler pour me dire que on est en train de te laver là-bas. On est en train de te laver là-bas. Parce que si quelqu'un s'attaque à ton gagne-pain, c'est très dangereux. C'est que tu vas entrer en bourse avec la personne. C'est que tu vas entrer là. Quand j'ai vu du camé à Paris, il a peut-être. Du camé a peut-être 1m40. Un petit échoté. 1m40. Quand tu vois, il arrive au niveau, parce que moi j'ai 1m83, il m'arrive au niveau de la cheville. Coulé. Mais c'est pas, il est court et laid. Il est bipolaire. C'est lui qui est là-bas. Il y avait un moment il insultait par des FAO, non? Oui. Il y avait un moment il insultait, oui. Non? Parce que j'ai même vu depuis qu'il t'insulte là, je vois qu'il monte déjà à 200 vues. Oui. Je vois qu'il montait déjà à 200 vues depuis qu'il t'insulte là. Parce qu'avant, il est souvent dans 14, 15, 16, 17, 18, 20. Il est à 200 depuis qu'il t'insulte là. Diamant Bleu Fabrique. Oui. Son nom Fabrique. Du Camer, on va te taper à Paris.
L'armée cinglée de Paris, là, on va te taper. Je vais d'abord dire à mon frère que tu le croises là-bas à Macadet, tu lui donnes une bonne claque derrière d'abord. On va te taper à Paris. Je vais d'abord dire ça à mon frère. Je vais appeler les gars de Pagoula, on va te fouetter. Comme tu es court et l'air avec ta grosse tête. Ta grosse tête qui est comme si un enfant qui, je ne sais pas, un mongol. On va te taper à Paris. Le direct que tu as fait ce soir, c'est un très beau direct. Tu t'es vraiment réveillé. Je crois qu'il faut que toute cette histoire de manipulation s'arrête. On va tirer sur tout le monde qui va s'attaquer à Mama Pépé. On va tirer sur vous. Parce que ça fait, ça moi, dure déjà, beaucoup. Ça dure déjà presque des mois déjà là. Presque des mois. Ici à Rouen, moi, elle m'affronte. Elle n'a pas peur, peur de quelqu'un. Que moi, je suis dans la tête cassée. Ici. Oui. Je suis dans la tête cassée, je reste, je n'ai pas à gauche, je n'ai pas à droite, et celui-là. Ça dure. Depuis des mois, vous tirez sur quelqu'un, mon frère, quelqu'un, elle a, vous avez dit, va travailler, elle a maintenant trouvé son travail. Que j'ai dit que je vais arrêter le gars là, il va amener ses bulletins, jamais mes bulletins, hop, maintenant faire nos tests pour finaliser. Okay. C'est comment? Hein? C'est quoi? Tout le monde tire là-bas, l'autre tire là-bas, l'autre tire là-bas, l'autre tire là-bas, l'autre tire là-bas. Vous tirez sur notre boss, parce que notre boss, nous tous, on va tirer sur vous. On va tirer sur vous en vrai, parce que vous exagérez. Du camin, on va te taper, toi tu vas être tabassé. Et ça ne serait pas des femmes, pas avec les hommes. On va te tabasser à Paris. Là où tu vas t'asseoir dans un ganda, assieds-toi bien et regarde derrière. Assieds-toi bien et regarde derrière. J'ai dit que demain, j'avais dit à mon grand frère que s'il le voyait, il donne une bonne claque. Assieds-toi bien et regarde derrière. Fais confiance. Pour lui, ça ne passe pas souvent loin. On va te taper à Paris, le coup type là. 1m40, maxi 1m30. Un monsieur court et laid, et lugubre, sale. On va te taper à Paris. Vous exagérez parce que il y a un moment donné, elle avait dit qu'elle ne voulait pas les problèmes. On restait tranquille. Vous pensez que la tête cassée, non, vous pensez qu'on est dissous par rapport à quoi? C'est que chaque personne a une vie dans la tête cassée. La majorité de la tête cassée, chaque personne a sa vie. Mais nous tous là, nous sommes des animaux dans la tête cassée que vous voyez là. Chaque personne a sa vie. Arrêtez. C'est pas parce que peut-être on est là, vous faites les directs, on vous regarde, on vous regarde, on vous regarde. La lâcheté, je dis que du camer. Quelque chose va t'arriver, soit dans une veillée, soit dans un ganda. Tiens-toi bien avec tes pieds là. Tes pieds qui sont au sol, comme quelqu'un qui a les on appelle chez nous, c'est-à-dire que quelqu'un qui a les chics aux pieds. Tiens-toi bien du camé, toi là. Tiens-toi bien. On va redevenir les animaux d'avant de la tête cassée, d'avant là. Vous commandez les étoiles, vous commandez le sable, vous commandez les tôles, vous commandez tout. Elle est mendiante, elle est ceci, elle a son petit boulot. Vous vous attaquez à elle, on va s'attaquer à vous. C'est comme ça maintenant. Quand vous attaquez Amélie, nous on va s'attaquer à vous. Jusqu'à ce que vous allez laisser Amélie tranquille. C'est comme ça. Allô ma père. Oui, bonsoir. Bonsoir Longo, je suis une sympathisante de la TKC. Hein. Oui, ma chérie. Vraiment, tu as mon comportement, compression. J'aime ton caractère. Si quelqu'un te piétine, tu coupes sa tête, maman, je suis avec toi jusqu'à la gare. Ah, oui? Je suis avec toi jusqu'à la gare. Oui, maman. Des parents ici, il te dit qu'il t'a tendu la main, il t'a donné ceci, t'appelles mendiante. Lui, tu n'as pas bagarré pour lui ici. Pourquoi? Tu as bagarré ici, tu as pris des cours ici pour lui. Hein? Aujourd'hui, tu décides d'être indépendante, gagner ton pain quotidien honnêtement. Il veut te mettre les vacances dans la roue. Ma chérie, il t'a battu là-bas avant qu'il t'abat. C'est comme ça la tête dans la gueule. Je suis avec toi dans la réelle. Ah oui, le coût du Cambindola avec sa coûte, il a que 95 centimes, là, un pygmée tout nous. Et Moro. Avec ses coûts, Moro, là, et Moro. Il fasse attention, hein. Un imbécile comme ça, avec ses enfants dispersés, dis donc. Il te prend quoi? Lui, c'est lui. On va te taper à Paris. Sa vilaine tête. Regardez-moi deux pour m'agenouiller comme ça. Un malade mental. C'est quoi, il est timbré? C'est à cause des imbéciles comme ça qu'on nous a même gagné aujourd'hui. Regarde-moi un idiot. Ben c'est à cause de lui qui a porté la poisson, on nous a gagné aujourd'hui.
malade mental, les poisseux. Il se prend pour qui? Quelqu'un qui est en sous de Castillon, il parle pas. Combien d'années? Combien d'années? On va s'affronter. Toute l'Afrique avant d'arriver en Europe, il parle fort. Elle va cacher son derrière au Madrid. Il parle fort à qui? Maman, tu te vois une même composition. Comment tu es charismatique, maman? L'élégance, c'est toi. Non, elle a maman, fait ça aujourd'hui. Je suis très contente. Belle, maman, tu as l'élégance. Ce n'est pas l'école qui fait quelque chose. Hein. Ils sont nombreux là-bas qui sont allés à l'école. C'est des tireurs de bâtisse. Ils sont en train de discuter la mendicité avec moi sur la toile. Ils ont quel contenu sur la toile là? Ils ont quel contenu pour les gens qui étaient à l'école? Ils ont quel contenu? Tu ne donnes pas à toi à quelqu'un, maman. Tu es élégante, éloquente, même quand tu parles. Ceux qui sont là à l'école, là, ressemblent à quoi? Avec les visages remplis de graisse. Ils parlent à qui, maman? Merde! On dirait les visages des coups de poing de Nganou. C'est comment avec eux? C'est comment? Des fois où est là? Maquillage, mais ça n'a pas laissé. Avec sa femme, elle sa Bible tous les matins qu'elle parle, les mamouns là. Je lui ai offert une paire de chaussures que j'ai acheté avec mon argent. J'ai acheté une paire de chaussures avec mon argent. Les gens sont teubés. Moi, je lui ai offert une paire de chaussures. Moi, je lui ai acheté une chaussure. Que j'ai acheté pas seule. Avec mon argent. Ce compresseur. Tu n'es pas seule, ma soeur. Tu n'es pas seul. J'ai offert une paire de chaussures que j'ai acheté au magasin à sa femme. La maman, là. Le problème, c'est à commencer. Si des fois, on voulait la paye, il ne va pas la paye. Tu as fait une sortie pour faire le cesser les armes, baisser le feu. Il n'a rien réagi. Tu as appelé pour calmer. Tu as appelé pour mettre la paix. Ça plaire à des fois. Il fait semblant. Mais il est content de ce qui se passe. Il envoie les gens, il te cache derrière, il attise le feu. Il a dit, fait semblant. C'est aujourd'hui qui le défend. C'est pour ça qu'il a mené au tribunal. Aujourd'hui, il est contre toi. N'importe quoi. Hein? C'est vraiment des. Celui qui te tue ne vient pas de loin. Hein? Vraiment. Aujourd'hui, on me dit que. Non, le tu l'aimes. Je suis sur la même table. Moi, je l'ai offert. J'ai offert une paire de chaussures à sa femme que j'ai achetée au magasin. Tu connais les péchés que tu as pris sur son dos? Les péchés que tu as pris sur son dos? Mon Dieu! Hein? Il se prend pour qui celui-là? Il se prend pour qui celui-là? Il se prend pour qui? Avec son épouse là, il se prend pour qui? Tu vas passer à Gabon. Attends, quand tu marches sur Paris là, marche bien. Non. Tu vas te taper à Paris. Il dit que maman voulait l'enfant. Donc il voulait enceinte maman. Maman s'est confiée à lui. Si je t'ai confié à lui, je l'ai raclé correctement. Si je vais sur Paris là. Un idiot comme ça, là. Pygmée. Là, il va être bâtonné par quoi? Il va avoir des claques, hein. Il ne se pas. Mon grand frère va le claquer à Paris. On le claque, il ne m'appelle pas Maléba Perpétue. Comment ce gars bon là? Il va me dire, mais lui là, il va me dire, ça n'est pas à Paris. Attends. Là, on se connaît. On va te taper pas à Paris. Quand tu t'assois dans un ganda du camé, regarde derrière. Non, mais ça, c'est méchant, hein. Vraiment, qu'on possède beaucoup de courage, il faut beaucoup prier. Hein. Non, prie beaucoup. Les personnes m'ont souhaité la mort là sur la toile. Prie beaucoup. Parce que elle est partie s'allier avec. Et tu dis, les gens qui m'ont souhaité la mort, elle est partie s'allier à ces personnes-là. On ne jette jamais le caillou sur l'arbre qui ne produit pas de bons fruits. C'est parce qu'ils voient ton futur, que ça c'est ton année de gloire. Les gars, on le voit. Il y a ton année de gloire, ma soeur. Et ce que Dieu t'a donné, la personne, maman, tout ce qui vient comme inconvénient va être avantage pour toi. Amen. C'est ton année de gloire. Personne ne peut te l'arrêter, c'est ton année de gloire. Ils savent que ma boss, c'est une femme qui a de la poigne. C'est une vraie femme. Vraiment de Ils Dieu. Ils pleurent parce qu'elle a fermé, elle avait fermé les robinets. Vraiment de Elle a Dieu. Fermé le robinet. Elle a dit que c'est terminé. Ils disent que tu mendiantes. Ils ont mendigné pendant combien d'années chez cette femme-là? Ma pépé, il avait son ami, là, son avocat Mike. Son Mike du Canada, là, est où aujourd'hui? S'il est quelqu'un de bien. Oh. Il est où avec Mike? Je ne vois pas Mike, j'arrête mes bio en train d'intervenir là-bas. Lui-même, il est où avec Mike, là, aujourd'hui? Mais je le vois intervenir, j'arrête mes bio. Les gens, quand ils ne veulent pas parler, ne parlent pas. Mike est où aujourd'hui? Voilà. Il est où aujourd'hui? Parce qu'on a vu, c'est un monsieur qui aime la dictature. Il est que quand tu es avec lui, tu dois marcher comme il veut. C'est pas normal. Apprenons à accepter la critique, c'est ça qui va valoriser quelqu'un d'autre quand tu es avec lui. C'est comme ça qu'il est. C'est pas normal. C'est comme ça qu'il c'est pas normal. Fonctionne. C'est J'ai pas fonctionné normal. Avec lui, donc je sais de quoi je parle. C'est pas normal.
comme là maintenant là, c'est ma boss, la femme à abattre. Il est prêt à tout. Mais c'est pas normal. S'il connaît quelque chose qu'il a parlé avec elle, il va les donner qu'on vienne baisser dehors. Lui-même ne va pas faire le sale boulot. C'est d'autres personnes qui font le sale boulot pour lui. C'est comme ça qu'il est. C'est un gros lâche. C'est un gros lâche. Du camé, quelqu'un qui est en carence de calcium, de tout. Tu vois le corps, pas de calcium, pas de... Il est bizarre. Je suis tout le temps malade, c'est pour ça que je ne travaille pas. Vous voulez qu'on vienne vous donner nos vies, sinon? On vous donne ce qu'on veut vous montrer. C'est clair. On vous donne Ma pépé, lui qui a les paychecks, pourquoi il en sous-location? Merci. Lui qui a trop de paychecks. Merci. N'importe quoi. N'importe quoi. Si votre frère a fuck up, tu dis que ok, pas de favor à fuck up, essayez de lui dire la vérité et que la paix revienne sur la toile, c'est tout. Et chacun joue son couloir. Il ne peut pas dire. Là où il est là, quand on voit le diable, à cause de ce diable, toutes les personnes, tout le monde maintenant là, les gens se tiraillent de partout. Vous devez savoir que c'est quelqu'un qui a les mauvaises ondes. Les gens se tiraillent de partout. Les gens qui étaient les amis sont en train de se tirailler pour ce bouffon là. Oh my God. Ma pépé, il travaille avec quelqu'un qui travaille où c'est dans les, aux impôts et tout, qui prend les adresses de toutes les personnes qui sont sur la toile là. On lui donne. Il donne ça aux gens. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il a quelqu'un qui travaille aux impôts ici en France. Donc quand il cherche ton adresse, cette personne-là lui donne toutes les informations. Wow. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il a les adresses de tout le monde. Moi-même, il y a des personnes quand je veux les adresses. Dernièrement, je voulais pour Pipi. Je l'ai demandé à lui. Il m'a envoyé tout. Il connaît, il a tout. Oh my God. Mais il fait donc quoi avec? Mais il disait qu'il faisait les citations directes, non? Il va aller où avec ça? Mais pour lui, c'est pour dire qu'il contrôle, non? Qu'il contrôle, il connaît la vie de tout le monde. Mais ben, il ne peut contrôler personne. C'est juste faire le bouquin sur lui, les alors, c'est ça. Ça, il va aller où avec? Pour lui, c'est ça. Voilà, là, il montre qu'il domine. C'est là qu'il montre qu'il est garçon. Quand il me connaissait les adresses des gens. C'est juste les réseaux sociaux. Il va aller nulle part avec. C'est juste les réseaux sociaux. Il n'ira nulle part avec. Il va aller où avec? Il a porté plainte aux gens. Ça mais a abouti. Il a porté plainte à combien de personnes? Ça a abouti à quoi? Ça n'a pas abouti parce que lui-même n'est pas sérieux. Parce qu'il est zéro, parce qu'il est mytho. Il n'est pas sérieux. Lui-même, il insulte les femmes. Il insulte les gens. Lui-même, il cherche des problèmes. Ses plaintes n'iront nulle part. Alors? Ses plaintes n'iront nulle part. J'ai dit que quand ils font les directs, qu'ils ne fassent pas, qu'ils gardent. Non, il n'a pas le cœur, ma pépé. Il n'a pas le cœur. Il n'a pas le cœur. Il va venir s'asseoir. Il va dire, mais John Boubora. Lui-même, il est John. Sa femme même est plus triple John. Sa femme est John jusqu'à. Les gens parlent. Moi, j'ai offert une paire de chaussures à sa femme. Wow. J'ai offert une paire de chaussures à sa femme que j'ai achetée au magasin. Mais ça, tu l'avais considéré. Tu savais que c'était ton frère. Tu l'avais considéré. Tu l'appelais ton frère. Tu te battais pour lui. C'est normal. C'est normal. Il m'a donné quoi? J'ai mangé chez lui, il a mangé chez moi. C'est de quoi c'est? Beaucoup de. Il peut rembourser tout ce que ma boss lui a donné. Est-ce qu'il peut rembourser ça? Beaucoup de courage, ma soeur. Je t'aime, j'aime ton caractère. Choquer les femmes dans les dames de coco là-bas. Là. On dit qu'on s'inscrit à 50, lui, pas prendre 250 aux gens. Ah, c'est ça. Mais j'aime ton répondant, ma chérie. J'aime. Non, un moment. Hein. Ah, moi, j'observe beaucoup. Depuis que j'ai pris de l'âge, j'observe. Quand j'en ai marre, Tu as beaucoup du charisme, hein. Tu as beaucoup du charisme, ma soeur. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais tu as du caractère. Tu ne te fais pas manipuler. J'aime ça en toi. Je dis que j'aime ton caractère. Une vraie Africaine, une vraie femme doit avoir du caractère. Ah, ben oui, ma soeur. Une vraie femme ne doit pas se laisser piétiner par n'importe quoi et n'importe comment. Ah oui. Tu peux te soumettre quand tu sais que tu as tort. Mais ne pas parce que tu t'es soumis qu'on va te piétiner. Non. Ah oui. Je dis non. Je suis avec toi. La masse, là, ce n'est pas la masse qui veut dire que tu es arrivé. Non. Deux personnes peuvent te mettre au sommet.
Deux personnes qui peuvent te mettre au sommet. Tu n'as pas besoin d'avoir tout le, tu peux avoir, tu n'as pas besoin d'avoir tout le monde pour faire, avoir tout un monde pour faire quelque chose de bien. Attends, hein. J'amène mon sac que ma grande soeur d'une autre mère m'a offert, celle qui m'a même donné le nom de diamant bleu. Attends, j'amène mon sac. Comment offert? Non, maman, j'attends. Attends, mon sac, attends, je te demande le sac. Les gens ont parlé là. Est-ce que là, c'est tout pour ma vie? Voilà. Voilà. Voici un sac qu'on m'a offert. Ah, il n'est pas beau. Oh, c'est très beau, Michael. C'est beau, ma soeur, c'est beau. Est-ce qu'on a besoin toujours de venir faire le tapage sur la toile n'importe comment? Très beau. Hein? Oh, compresseur, ça ne te dérange pas quand je viendrai sur Paris. Je vais t'arriver, je vais te renvoyer. Les gens, que ça ne te dérange pas. Je sur Paris. Les gens aiment souvent. On n'a pas besoin de la masse. Il y a des personnes qui nous aiment là sur la toile. Et moi, j'écoute beaucoup de conseils. Moi, j'écoute. Quand je viendrai sur Paris, je vais te renvoyer. Je vais te ramener le New Marco Corse. Je viendrai sur Paris. Je vais t'appeler. D'accord, ma chérie. Je viendrai sur Paris. Je viendrai sur Paris. Ah, oui, je viendrai sur Paris. Voilà le sac. Elle m'a dit que tu es le diamant bleu, les compresseurs, les mamas perpétues, tout ça. Tu es le diamant bleu parce que tu mérites ce nom-là. Ce n'est pas la masse. Tu n'as pas besoin, maman. Il y a trop de parasites pour rien. Tu peux avoir deux personnes. Deux personnes essentielles. Deux personnes puissantes. Mal, tu les appelles, tu dis voilà, ça ne va pas. Personne même sur la toile. Les vraies personnes ne veulent même pas souvent que je vienne commander sur la toile. C'est vrai. Mes vraies personnes préfèrent que je leur parle derrière. C'est vrai. Quand je vois un nabo qui va m'appeler mendiante, pourquoi est-ce que moi, si moi je vais payer mon papin, je vais venir crier sur la toile que payez-moi le papin. Vraiment de Dieu. Ils voient les vraies personnes venir mettre les outils pour les vrais sur la toile. Sur la toile, là, sont que des mendiants, c'est des commandeurs. Tous là commandent. Tu n'es pas la seule. Tous commandent. Mais de toute façon, des mendiants. Tu vas de l'outil à l'heure à tout. Mais, et ça ne veut pas dire que tous commandent, ma chérie, tous commandent. C'est des mendiants. C'est que les gens ont les façons de demander de façon politique. Il y en a qui se victimisent pour qu'on les aide. Tous commandent. Tous commandent. Et dans la vie qui ne commande pas. Deux fois, maman, tu peux être, tu as des moyens. Tu as beaucoup de gens chez Maman Pépé lui remettre des cadeaux. Tu viens lui donner le cadeau. Maman Pépé utilise encore tout l'argent là pour acheter la boisson à ma chérie. Ma chérie, je suis ici aux États-Unis. J'ai des gens ici. Moi, je connais les gens que j'ai envoyés là-bas. Je sais comment elle a reçu. Tu veux me faire bouchip en Afrique. Oui, tu as des enfants en Afrique qui suivent. Ils te proposent même que j'ai des vêtements. Tu as besoin de venir sur la toile. Dis le nombre de personnes que je m'en occupe au pays. Est-ce que j'ai besoin de venir dire ça ici? Non, regarde-moi en disant ça. Tu n'as pas besoin. Quand je me lève le matin, quand je fais ma prière, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi enfin que je puisse aussi donner à celui qui n'en a pas. Bénis toutes ces personnes qui me donnent toujours. Bénis toutes ces personnes qui me soutiennent moralement, physiquement, financièrement. Bénis-les afin que Seigneur, que leur journée soit bénite. Oh, maman, amen, maman. Moi, je connais. Je connais. Quand je suis au Cameroun, je prépare tous les jours que Dieu a créé au moins 50 000 par jour. Ah, c'est ton cœur qu'on peut entourer des gens. Ah oui, c'est comme ça que Dieu t'a créé. Ah oui. Dieu t'a donné un cœur lâche. Les gens ne t'aiment pas beaucoup, c'est parce que tu n'es pas... Quand j'ai un peu d'argent, j'ai dit que bon, ça, je veux commencer à faire quelque chose. Il y a un problème dans la famille qui surgit toujours. Il faut que je résoudre ce problème. Ou il y a quelqu'un qui va toujours venir avec un problème. Toujours. Quand j'entends les gens parler, ma mère est fâchée aujourd'hui que... Pardon, Ngombongo Indi. Ma mère était venue ici, j'ai pris mon argent à la réunion, je n'ai pas, j'ai refusé de donner à ma mère, j'ai donné à Ngombongo Indi pour prendre la maison parce qu'elle était dehors. Aujourd'hui, elle vient me manquer de respect. Hein? Marie, la régie, je lui ai offert une paire de chaussures que moi j'ai acheté à Paris parce que j'ai le goût pour les chaussures. Elle m'a demandé une paire de chaussures noires. Il y avait une fête.
Je lui offre une paire de chaussures. Elle est venue crier ça sur le toit. Son mari ne m'a pas appelé quand même mendiante. Elle ne peut pas dire à son mari que non, ne l'appelle pas mendiante. Ce qu'on vient me dire que tu t'es assis avec elle sur la même table, n'importe quoi. J'ai mangé chez eux, ils ont mangé chez moi. Ah ben bien sûr, c'est le donnant-donné, non? C'est le donnant-donné, bien sûr. Quand ils sont arrivés, on a fait la vidéo. À l'époque, j'étais avec mon ex. On a fait la vidéo quand ils sont arrivés. Tout le monde a vu. Mais compréhension, je vais te dire un truc. Quand tu avais les problèmes ici avec ton ex, c'est pas lui qui parlait avec ton ex, là. C'est lui. Il se parle, non? Pourquoi c'est lui. Pas fâché? Il se parle. Il parle avec mes ennemis. Et alors? Tu n'es pas morte. Ça m'a fait quoi? C'est pour lui. Te combattre, compresseur. C'est pas que tu n'es pas hypocrite. C'est les hypocrites qui ont trop de gens. C'est les gens qui sont hypocrites qui ont trop de gens. C'est, pas que tu n'es pas... c'est parce que tu es vrai. Tu es vrai. Ils savent qu'ils ne peuvent pas te manipuler. C'est pour ça qu'ils te combattent. C'est fini la c'est manipulation. Pas que tu n'es pas hypocrite. La manipulation est finie. Mm-hmm. C'est terminé la manipulation. Et les gens qui disent que moi, j'ai appris qu'il y a un faux profil, un de mes faux profils qui n'est plus avec moi, qui est parti raconter que moi, je l'envoyais insulter les gens. Nous ne sommes pas les enfants. C'est ces personnes en quel âge? Nous sommes les enfants. Hein? Quand moi-même, si des fois, on m'envoyait insulter les gens, je suis un enfant, est-ce qu'il me mettait l'arme à la tête ou m'appuyait le cou? Non, c'est non, non. Je prenais ma décision de partir. Et là, c'est parfait. Alors, bon, parce que les gens ne sont pas dit que oui, tu elle m'envoyait insulter les gens. Hein? Personne n'est enfant, non. Chacun est responsable. C'est que tu le faisais par amour pour ton frère, c'est tout. Voilà. Tu le faisais par amour pour ton frère. Alors, oui, oui. Quand tu viens insulter quelqu'un, tu dis que tu es fan d'une personne. Quand tu es fan. Je suis sympathisant de la TKC. Je viens te défendre parce que je t'aime. Alors. C'est pas toi qui m'as fait de venir te défendre. C'est que je n'apprécie pas l'injustice vis-à-vis de ta personne. C'est tout. Non, ma question. Je suis allé donner du riz à sa mère. Je suis allé donner le riz avec la tomate à sa mère. Il vient m'insulter. Dicambino n'en a rien. C'est un malade mental. Moi, son cerveau est frélaté. Dicambino, c'est un idiot. Il met un litchi pour aller se faire nettoyer les dents. C'est la carie qui est dedans. Il n'a rien, maman. Dicambino n'a rien. Le pygmé, les morola. Qui vient je le prendre maintenant? Il y a des gens qui ne te fréquentent pas, qui ne savent pas que toi, tu as du genre. On me donne, je donne. Tu n'es pas du genre. Tu mets tes meilleurs à ta bille. Ce sont les gens qui le disent. Non. Quand une personne t'appelle, maman Pépé, je vais passer j'ai un paquet à te remettre. Tu commences à t'arranger à ce que quand la personne va venir, ce qu'il va manger, ce qu'il va boire, tu es toujours en train de te dire. Moi, j'ai envoyé les gens de toi. C'est ça qu'on appelle de recevoir du monde parce qu'on ne se voit pas tout le temps. C'est l'amour. On ne se voit pas tout le temps. Donc, je suis obligée, quand on envoie, il y a beaucoup de personnes qu'on envoie, mais je les paye même encore le taxi. Maman Pépé, moi, je connais. Voilà. Tu es tellement malade. Tous les gens qui sont venus près de toi, même tous ces gens qui te clashent là, qui t'ont un jour fréquenté, ils ont un jour mangé ta nourriture, un jour bout de ta chose. Parce que toi, tu as déjà, quand une personne vient vers toi, tu reçois toujours la personne. Moi, je connais. Je sais de quoi est-ce que je parle. Bonsoir. Ton ancienne sœur là, elle t'appelle quoi, ma Pampèze? Tu sens même la propreté, même à travers l'écran. Elle ne sait même pas quel nom te donner. Bonsoir, pardon, je voulais intervenir. Interviens. Ma Pépé, on ne me voit pas, n'est-ce pas? Non. Ma Pépé, je voulais dire quelque chose. Oui. Ouais. Ton grand frère aussi devait arrêter ça de lui. Pourquoi il comprend quand les gens viennent claquer comme ça à son nom, ce n'est pas bon. Il devait arrêter ça vraiment depuis. Parce que quand vous voyez un spectacle comme ça, ça ne me plaît vraiment pas. Je te jure, ça ne me plaît vraiment pas. Parce que l'autre, comment elle s'appelle? C'est que tu appelles souvent, c'est une espèce de chevaux. Gombo Indi, Maman Marabou. Quand elle veut insulter, elle lui met toujours devant. Ce n'est pas normal. Parce que c'est même. Que ta copine vient de dire même ça tout à l'heure dans son elle est dans si ton grand elle parlait des lions avant de je sais que pour mourir je m'en fais la fête des lions là elle dit que ton grand faut aussi doit
demander à ces gens-là. Elle disait que ton grand-frère doit demander à ces gens-là d'arrêter un peu à son nom. Parce que quand ils prononcent son nom, ils vont te pousser à bout. C'est lui qui les envoie. Elle-même, je l'ai appelé plusieurs fois pour lui dire que ya, comment le grand là ne fait que me déranger, qu'il faut que j'aille clasher, que j'aille clasher. La dernière fois que je l'ai appelé ma copine, je lui ai dit que hé, hey, maman, le grand là me dit d'aller clasher à mec à mec. Elle me dit que comment ça? J'ai dit que oui, il m'a demandé que j'aille clasher à mec à mec. Donc le gars m'a pris comme ça, sa machine à clash quoi. Ça rejette. C'est ça qu'elle venait de dire là maintenant. Qu'il faut qu'il fait dire, il dit aux gens là de laisser. Parce qu'ils vont te pousser à bout et tu vas jamais, dire. Jamais. J'ai dit ce qui est vrai. Que parce que femme Binda avait les gars. Il y a eu la discussion là-bas au restaurant. Sa femme Binda avait les gars. Et je vais faire tout. Langa va parler. Je vais venir mettre ça ici. Vous allez entendre. Parce que, et c'est comme ça qu'elle fait les troupes, les gars là. Elle disait que, parce que lui là, il a une famille. Toi, tu es une ampoule grillée. Bon, je sais que tu as eu à faire les classes. Bon, ça te dit plus. Okay. Mais tant qu'on va toujours attaquer ta bosse, tu vas tout sortir. C'est ce qu'on disait. Mais s'il est sage, il comprend. S'il n'est pas sage, ah, il va vraiment se mettre dans les trains. Tu vois que lui n'est pas une ampoule grillée. Lui-même, c'est une ampoule grillée. Tu vois un gars qui est parti prendre une femme dans les maisons de passe pour épouser au village. Il est ampoule grillée. Il ne supporte pas. C'est ça le problème. Il ne supportait pas. Il allait dire qu'il arrête ça. On va leur parler d'ingratitude. Voilà un monsieur qui est ingrat. Une femme qui... Tu viens clasher. Une femme, tu as ses baskets sur les pieds, tu viens l'insulter. Aucune personnalité. Seigneur, franchement... Par honte même, je peux même prendre ça, mais viens déchirer même. Je déchire même, je jette. Oui, c'est ce qu'elle disait, qu'il ne doit pas. Qu'il toi, c'est la chose de quelqu'un, tu viens lui manquer de respect, tu l'insultes. Ce n'est pas la honte que c'est quoi. Quelqu'un vous a reçu pour la première fois de monter sur les bateaux. Maman Rabouche, ça soit sur ça. Elle est contente. Mais elle aime ça. Elle est contente parce qu'elle dit que elle va me pousser à bout. On m'a dit non. Il paraît qu'elle a dit qu'elle va me pousser à bout. Je vais verser son client. Attends, mais c'est qui? Elle parle même vers lui en se disant que non, que peut-être il a les choses sur toi. C'est ça. Il a quoi sur moi? Non, il a quoi sur moi? Non, il a quoi? C'est ça qu'il venait se mettre entre nous deux. Mais lui, il a fait le gogo Sam sur la star. La star, il a les nudes de la star. Hein. Il a un CD de la star. La star avec qui il sortait là, avec la star là, la Senga. Oh, ma bébé. Pardon, l'autre, c'est trop fort. J'ai demandé pourquoi est-ce qu'il gardait ça. Je lui ai dit qu'on ne sait jamais, ta femme peut péter un câble un jour, elle sort ça. Il m'a dit que là, lui, il a gardé ça, non, personne ne peut toucher. Imagine le nombre de ringas qu'il a mis là-bas dedans. Sanga est venu me dire que maman, viens ici en Suisse, Bolo Yenna. Il y a le travail ici, là, grave seulement. Viens. Ici, c'est déclaré même. Elle m'a dit que je vienne vendre le piment là-bas. Elle me dit que tu crois que nous tous on fait comment? On a les gens pour garder les enfants. Quand elle a accouché son premier fils, elle portait son enfant là partout, elle montait, elle descendait, le gars la maltraitait. Il la maltraitait, il draguait les filles de gauche à droite, elle était malheureuse. Elle vient s'asseoir aujourd'hui, elle se met là-bas derrière. On m'insulte dans le direct, elle ne bloque pas les gens qui m'insultent. Mbongo, il dit, ça la plaît jusqu'à... Il paraît même que dans les clans là, c'est grave. Ils sont en train de se déchirer encore là-bas. Ils ne peuvent même pas se déchirer, c'est le modèle. Mamarabou, non. Mamarabou, là où elle voit qu'elle veut tout piquer, elle est seulement là. Ma pépé, pardon, fais-moi descendre, pardon. D'accord, chérie. Bonne soirée. Allô? Allô? Il est quelle heure là? Hey, 22h quand même. Bon, on va laisser pour ce soir, non? Pour ce soir, c'est bon. Je vais aller mettre mon enfant au lit.
te laver les dents déjà. Va te laver les dents parce qu'on va les faire dodo. Bon. Ça rejette, hein. Ça a rejeté, bon. Mais Jean. Je suis en guerre. Toute personne qui a le fax, qui peut m'ajouter encore les informations sur Marie la régie, envoyez-moi. Envoyez-moi. Si vous pouvez aller filmer, même la maison, allez filmer, vous m'envoyez. Quand on part en guerre, ma boss ne connaît pas les choses là. Elle ne connaît pas que nous, on a fait. Alors là, je suis en dans la troisième guerre mondiale. Quand il part en guerre, je ne me contrôle plus. Je suis comme un animal. Toi, du Cambindo, je vais dire à mon grand frère, quand il va te voir, ma cadet, une bonne claque d'abord, entrée de jeu. Tu as compris, non? Il va te dire que prochainement, va te chamailler avec les hommes comme toi. Parce que toi-même, là, tu ressembles à pas des FAO. Pour passer votre temps, il faudrait que vous achetiez les Kabangondo. Ta défunte mère a laissé les Kabangondo. Va prendre les Kabangondo de ta défunte mère. Tu viens t'asseoir si tu veux te chamailler avec moi. La prochaine fois que tu veux me clasher, prends le Kabangondo, tu portes. Tu as compris? Prends le Kabangondo, tu portes. Allô? Allô, bonjour, ma pépère. Bonjour, oui, je voulais juste te dire que il faut voir avec la personne qui gère ta page. D'accord. Parce que les gens viennent t'insulter sur ton direct et ça frustre tes combattants, quoi. Parce que normalement. Mais là, je suis en train de bloquer partout. On a mis les têtes de mort là. Voilà, que j'ai vu mes gens mettre les têtes de mort, j'ai bloqué. Hein. Oui, parce que. Ça peut aussi frustrer tes enfants, quoi. Oui. Juste ce non, mais j'ai dit à mes enfants que maintenant, là, quelqu'un vient mal vous doser, hein, vous atomiser. Atomiser, je leur ai dit d'atomiser. Tu peux même chercher deux administrateurs. Je leur ai dit. C'est ce que je voulais te dire. Merci beaucoup. Bonne merci. Soirée. Bonne soirée, longue. Merci. Descends-moi. Ok. Bon, pour ce soir, c'est bon. J'ai bloqué déjà les personnes là que... Moi, j'ai bloqué, hein. Moi, j'en ai bloqué là. Ça rejette, hein. Je ne sais pas pourquoi ça te rejette. Ça rejette. En tout cas, pour ce soir, ils vont être bloqués même après, il n'y a pas de souci. Ils vont être bloqués. Ma pépé, et? C'est ma première fois d'intervenir sur ton live. On me voit. Non, attention quand même à ta caméra. Okay. On a vu ta main seulement. Ok. Écoute très bien, ma chérie. Je t'adore. Merci. Tu as la gnaque, tu as la poigne, tu es éloquente, tu es belle. Écoute-moi merci. Très bien. Des fois, autant tu le racles. Et tu le racles très bien. Oui. Nous sommes avec toi. Nous sommes tes enfants. Et c'est jusqu'à la gare. Ne doute jamais de toi. Attrape bien ta bosse. Elle t'aime. Et c'est une très belle femme. Des fois, elle est juste jaloux de toi. Il faut comprendre cela. C'est une très belle femme, inside out. Des fois, elle est juste jaloux de toi. Ne baisse pas les bras. Oh, nous sommes en guerre. Quand tu as Mbongo Indi, si c'est Mbongo Indi, si c'est quoi là la poubelle là. Ne t'occupe pas d'elle. Attrape, signe sur Marie la régie. Finis avec elle. Mm-hmm. Tu as compris, non? Oui, oui, oui. Oui. On t'aime, ma pépé. Je t'adore depuis les États-Unis. Merci. Il faut comprendre cela. Merci. Bisous, fais-moi des armes. D'accord. Merci. Gros bisous. Gros bisous. Bon, pour ce soir, c'est bon.
Je vais vous souhaiter comme ça bonne soirée. Et merci à toutes ces personnes qui m'ont envoyé les étoiles. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous sanctifie, qu'il vous bénisse votre année, qu'il bénisse tout ce que vous aimez, qu'il vous donne tout ce que vous désirez. Comme c'est sorti, que ça entre. Merci du fond du cœur pour les étoiles. Merci beaucoup. Là, je vais aller m'occuper de la petite. C'est vrai que demain, c'est samedi. Alors, demain, je vais aller, je serai à Paris demain. Voilà. Donc, bonne soirée. Mon téléphone se décharge même déjà, donc je peux plus prendre quelqu'un. Bonne soirée à tout le monde et puis merci pour tout. Merci pour vos encouragements. Merci de m'envoyer des messages d'encouragement. Et je continue à dire à la TKC, ne vous laissez pas abattre. Maintenant, nous sommes en guerre, comme je vous dis. Donc, on tire sur vous, vous tirez. D'accord? Sur ce, je vous aime, je vous embrasse. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Ciao.